Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h et vous l'aurez remarqué en sortant de chez vous aujourd'hui et en rentrant peut-être également, le temps est des plus instables. Depuis lundi, on alterne entre pluie, soleil, grisaille, etc. Tout passe dans le ciel des Hauts-de-France. Et pour couronner le tout, le vent de nord-ouest vient faire baisser les températures. Alors le mercure affiche entre 5 et 7 degrés en ce vendredi et ça va descendre encore un petit peu ce week-end et surtout en début de semaine prochaine. Alors ça reste des températures de saison tout de même, mais avec tout ça, on dirait quand même que l'hiver n'en finit plus. Allez les titres et on part direction Calais qui fait encore parler d'elle, cette commune en France. En milieu d'après-midi hier, une centaine de migrants érythréens et une trentaine d'Afghans se sont affrontés. Et ça s'est passé vers 14h30 à côté du centre hospitalier durant la mise en place de déjeuner pour les migrants. Une deuxième grosse rixe a éclaté également vers 16h et là, 200 Africains et une vingtaine d'Afghans se sont battus. Tout cela a été très violent, vous vous en doutez, mais là, c'est vraiment le ras-le-bol général dans Calais. 22 personnes ont été hospitalisées et surtout, des armes ont été sorties durant ces rixes. 5 migrants ont été touchés par balles. Le pronostic vital de 4 Érythréens serait engagé selon le parquet et pour Natacha Bouchard, la maire de Calais, c'en est trop. Elle souhaite aujourd'hui l'application au plus vite de la nouvelle loi Asile et Immigration prônée par Emmanuel Macron. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a même fait le déplacement pour annoncer des renforts de CRS. Deux compagnies doivent arriver. Je vous propose de l'écouter. Il parle notamment de la nécessité aujourd'hui de décongestionner Calais de l'afflux de migrants. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire baisser la pression sur Calais. Et je tiens à répéter que, après les accords que nous avons passés avec la Grande-Bretagne, personne parmi les migrants qui sont sur Calais n'ira en Grande-Bretagne et nous prendrons donc des mineurs qui sont dans d'autres villes de France. Donc le message que je veux faire passer, c'est que si on veut aller en Grande-Bretagne, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Et les migrants qui sont en plein désarroi alors que l'ambiance reste encore assez électrique hein, dans le Calaisis. C'est pas la première fois depuis que nous sommes là, en fait. C'est pas la première fois, mais quand même, c'est pour nous, on est contre la violence et contre tous ces genres de sauvagerie, voilà. Le problème, c'est ce qu'il y a des problèmes parce que d'abord il fait froid, nous sommes à la roue, les conditions c'est pas bon. Après, il y a d'autres problèmes aussi. Moi, je connais pas exactement tous les problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes en fait. Il y a le fait de dormir à la roue, il y a des problèmes avec les passeurs, il y a beaucoup de problèmes. Violence de Il y a des police. violences de policiers. Je pense que tout ça fait la tension, d'augmenter la tension. Les associations des Hauts-de-France disent stop. Une quarantaine a protesté ce jeudi devant le siège du conseil Nous, régional. c'est les agents, les amis des jardins ouverts et néanmoins clôturés. On est une association qui intervient sur l'ensemble du périmètre régional maintenant Hauts-de-France. Et on est touché parce qu'on a notre subvention qui est passée de 90 000 euros à plus rien du tout. Mais d'une année sur l'autre, sans qu'on soit prévenu, alors qu'on n'a pas démérité, c'est surtout ça qui est important, c'est qu'il y a à dire, c'est qu'il n'y a aucune discussion. On peut concevoir qu'une politique ne se fasse plus, qu'on n'ait pas rempli les missions pour lesquelles on était subventionné. Là, ce n'est pas le cas. Voilà ces subventions qui sont supprimées, même parfois donc bien baissées pour les associations. C'est ce que dénoncent aujourd'hui ces associations qui se mobilisent et qui ont été devant le conseil régional ce jeudi. 1 million d'euros en moins, c'est ce qu'elles auraient perdu en 2017. C'est une somme assez rondelette puisqu'elle aura détruit, selon eux, 50 emplois au total. Tous donc dénoncent aujourd'hui ces faits par Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Il parle même de méconnaissance du monde associatif pour les élus de la majorité du conseil régional et même de clientélisme. Le ras-le-bol se fait bien sentir. Mieux transiter entre l'île Flandre et l'île Europe, c'est le but du projet Euraflandre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le parvis entre l'île Flandre et l'île Europe va être refait à neuf. Et d'ailleurs, on revient à l'ancien, on reprend quelques éléments lillois qui font mouche. C'est un style proche des pavés de la place du théâtre face à l'opéra qui sera posé entre ces deux gares.
Avis aux usagers, la place de la gare Lille-Flandre sera donc en travaux cet été. Ça se passera du mois de juin au mois de septembre, selon toute vraisemblance. Et les changements risquent de créer la surprise. Attendez-vous à des visions assez originales, puisque on ne reverra par exemple plus la vieille fontaine de Lille-Flandre. Et ça peut être peut-être une bonne nouvelle pour certains. Et à terme, des commerces et des restaurants vont voir le jour autour des deux gares. 1000 nouveaux logements sont aussi prévus du côté de Ralille. Explication avec Martine Aubry, qui était au micro d'Alexis Tessier. Euralil, au départ, le projet de Pierre-Mauroy, il avait raison. C'était son ambition. On est aujourd'hui, ça, on a eu du mal à démarrer, mais on est aujourd'hui, comme vous le savez, le deuxième parc de bureaux après Lyon, parfois on passe devant, et derrière Paris, bien sûr, en région, le deuxième en région. Mais ce mix de logements, de bureaux, l'idée qu'on ait un hub de transport qui rentre dans la métropole, toutes ces fonctions qui se mêlent, les fonctions culturelles en plein milieu, tout ça est très important. Il faut qu'il y ait de la vie. Il y a des gens qui vivent là. Voilà, et le mélange de toutes ces fonctions, ça fait un nouveau quartier qui accueille beaucoup de gens, mais qui a envie aussi de vivre le soir correctement. Donc beaucoup, beaucoup de changements, mais l'entrée d'une grande métropole comme Lille méritait bien cela. Et direction Tourcoing après Lille. La ville de Tourcoing donc veut intégrer plus de produits bio et de produits locaux dans ses cantines scolaires. On commence donc en douceur et jusqu'en juin, les enfants ont désormais, depuis ce jeudi, un repas 100% bio par mois. Et pour lancer l'opération, eh bien hier, le chef étoilé Nicolas Pourcheresse, qui a d'ailleurs été très médiatisé dans des émissions culinaires, a rejoint l'école Édouard Branly. Les cuisiniers de l'école ont pu donc apprendre les bonnes pratiques avec ce chef étoilé. Quand on prépare des centaines de repas avec des produits frais, ça peut être utile de savoir comment faire tout cela. Les enfants, quant à eux, en ressortent même grandis. Certains ont même découvert des légumes qu'ils n'avaient jamais mangés auparavant, comme la courge ce jeudi. C'était un des légumes qu'ils ont pu apprécier. Tout de suite, Nicolas Pourcheresse qui s'exprime sur la nécessité de ce programme. On est venu me proposer ce projet que je trouvais super intéressant. J'aimerais qu'il se pérennise et qu'il aille plus loin. La première chose que j'ai fait quand on est venu pour ça, j'ai dit « Ah bah c'est simple, vous voulez faire du bio ?» Bah, il faut 150 hectares à Tourcoing, vous créez des emplois, vous amenez les enfants dans le jardin pour leur faire comprendre ce que c'est les légumes, vous créez une nouvelle interactivité et attractivité du jardin. Et dès aujourd'hui, j'ai déjà une ville que j'ai dans le Jura, puisque je suis jurassien, Lons-le-Saunier, est en autosuffisance sur l'ensemble de ces cantines scolaires. C'est-à-dire qu'à la fois le légume, le fruit, le produit laitier et la viande sont produits sur la commune. C'est génial ça. Et place à la météo.